Je suis un solitaire qui s'accroche à la vie, très méfiant du bonheur, avec un grand whisky. Les lumières scintillantes de l'autogarantie, dans toute sa romance, m'amène au paradis. La santé m'a quitté au demi-temps de ma vie. Elle est partie faire danser ceux qui l'ont accueilli. Je repars sans comprendre, d'un pas plus réfléchi, m'appuyant sur la chance que la vie m'a prescrit. Je ne suis plus dépendant de l'espoir garanti. Devant une toile blanche, souvent je fais mon lit. Je repeins la mémoire de ceux qui ont bâti. Pays de nos rêves, pays de nos vies. La peinture, je ne sais pas si c'est elle qui m'a découverte ou moi. Finalement, on s'est créé une amitié qui dure depuis des années. Mon nom est Joe Beaulieu et je suis né à Notre-Dame-du-Lac dans le Témiscouata. Je voudrais apporter une petite parenthèse qui me fait mal un peu. La dernière fois que j'ai descendu à Notre-Dame-du-Lac, on a changé le nom pour Témiscouata sur le lac. J'ai voyagé beaucoup, mais j'ai resté avec des bons principes. Les principes, ce que je veux dire, c'est des gens du pays qui ont bâti ce coin-là, à coups de roche, à coups de misère, qui faisaient leurs propres outils, et puis tout à coup, ils s'étaient abandonnés. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver tout à l'heure? On va passer dans ces villages-là, puis on verra peut-être presque plus le clocher de l'église, etc. Alors, moi, ça me fait un peu de peine, même beaucoup. Ma carrière d'artiste débute un peu dans ce coin-là. Je dessinais sur des bardeaux de sel, des personnages du fort, des personnages, surtout des touristes qui venaient du Nouveau-Brunswick ou de Madawaskamin, dans ces coins-là. Et de temps en temps, je faisais comme du pouce, je les arrêtais et je leur montrais ça. Ils n'avaient qu'aimé ça beaucoup. Et ils me donnaient un petit poignet de sel noir dans un verre. Puis moi, j'étais fou. Venez à vous de m'acheter un Pepsi avec ça. C'est à partir là tranquillement. Ma famille était très pauvre. Alors, la maladie s'est installée. Qu'est-ce qu'on voyait arriver chez nous? C'était M. le curé et puis le docteur. Fallait pas parler, fallait juste prier. Puis prier, là, à un moment donné, ben, tu te tentes de ça. Ça fait que finalement, ben, je me suis en allé dans le village et puis j'ai continué ma petite vie de... C'était pas rebelle. C'est une vie, ça, que j'avais à l'intérieur de moi qui m'empêchait de faire des choses. J'étais comme un peu sensibilisé à l'art. Et puis, il fallait pas, presque pas, en parler. Parce que c'était un métier, ça, qu'il fallait... c'était comme tabou. Puis un bon soir, j'arrivais chez nous et puis les portes étaient entièrement barrées. Quand je te dis ça, là, il faut quand même que tu mettes une parenthèse. Ma mère était très malade. Et puis, dans ce temps-là, il appelait ça la folie. Aujourd'hui, c'est un burn-out. Alors, j'ai parti, moi, sur le pouce. J'avais 14 ans. Et puis, il pleuvait. Je me suis rendu à Québec. À Québec, dans les ruelles de Québec, quand tu pars de Notre-Dame-du-Lac, Témiscouata, les roses commençaient à renaître. C'était merveilleux. Un coin de pays merveilleux. Ça sentait toujours bon, me semble. Les foins frais coupés, etc. Les ruisseaux, c'était plein de poissons. J'ai encore ça ici, à l'intérieur, même à mon âge. Pas avancé, mais presque. J'ai encore ça ici dans mon cœur, cette sensibilité-là. Je m'ennuie encore là-dessus.
Et puis quand j'arrivais dans les ruelles à Québec, ben j'ai pas d'affaire à tout vous expliquer, mais ça gronde fort. Couchant sur des galeries, puis je me tenais des itinérants. Tellement attiré vers cette tendance-là de peindre plus tard. Mais ça m'effleurait juste l'idée, là. J'avais pas aucun moyen, j'avais aucune instruction. Personne pouvait m'aider à ce moment-là, comment m'y prendre. Et un petit peu plus tard, ça allait arriver plus profond. J'ai commencé à aller me chercher des informations. Et puis, comment m'y prendre avec mes couleurs, etc. Je dois dire que c'était pas vraiment beau. Mais moi, j'étais heureux. Mon cœur était comblé, et puis d'être capable de transmettre un message en couleur de ces gens-là qui ont bâti notre pays. J'ai toujours continué dans la même, j'ai toujours été fidèle à mes attentes, à mes idées que je viens de te dire. Si je suis rendu là aujourd'hui, après 40 ans qui passent très vite, que je trouve, c'est grâce à ça. Cette espèce de passion-là qui m'a animé au début. J'ai lâché, je suis revenu. Les questions monétaires, il fallait que je vive aussi parce que tu ne pouvais pas vivre de ton art à ce moment-là, c'était impossible. Je suis revenu après des causes dues à l'arthrite, à la polyarthrite rhumatoïde chronique. Alors j'ai fait faillite, j'ai lâché mon travail, etc. J'avais un petit commerce et sais-tu quoi qui m'a sauvé? C'est ma peinture. C'est ma peinture qui m'a sauvé. Alors j'ai recontinué, j'ai recommencé. Pour en arriver là, j'ai fait du porte-à-porte pour être capable de vendre mes tableaux. J'arrivais avec 3 tableaux, je les laissais là, et puis je disais au couple, à soir, entre vous autres, vous jasez ensemble, si vous vous apercevez qu'il y en a un qui vous plaît plus que d'autres, mon Dieu, demain je viens puis on fera des affaires ensemble. Ça a bien été. Mais à travers ça, il faut que je vous conte une petite anecdote. J'ai peint, une belle maison style victorien. Et puis, j'ai dit, je suis sûr qu'ils vont l'acheter, elle était toute belle. Je rentre là, c'était un dépanneur. Je monte sur le monsieur, j'ai dit, regardez, j'ai peint votre maison. Hey, c'est donc bien beau! Là, il dit à sa femme, viens voir ça! Son époux, elle vient en bas. Je demande pas trop cher. Là, j'ai fait le prix. Et tabarnage! Il s'est pris de mon dépanneur, c'est-il? C'est là que j'ai sorti de là. J'ai pas resté longtemps là, j'avais comme une espèce de gêne. Je lui ai dit, tabarnouche, tu sais, t'es humilié à l'intérieur de ça, parce que toi, à l'intérieur de ton cœur, de ton âme, de tes tripes, tu y crois tellement que c'est une espèce d'autodéfense qu'il faut toujours que tu possèdes. C'est ancré là, ça. Tu peux pas enlever ça. Alors, quand tu reçois des commentaires de même humiliants, faut que tu te parles si tu veux continuer dans ta passion. Et j'ai continué, il y a eu les symposiums, les vernissages, ça a très bien été, j'ai été choyé, j'ai été aidé, et par les médias, des amis comme vous tous, etc., ça a bien été. Qu'est-ce qui a pu être dangereux, dans mon cas, à moi? Tu montes vite un peu. Et puis, qu'est-ce qui arrive? Quand tu es rendu à un certain là, niveau, faut que tu fasses bien attention, parce que là, tu peux te décourager, parce que là, faut que tu continues à monter. Parce que les grandes galeries se sont apprivoisées. Ils m'ont apprivoisé. J'ai rentré là. Mes tableaux étaient aimés. Mais tu ne peux plus te permettre de décalage. Tu ne peux plus descendre. Alors, si tu manques un tableau ou que la galerie va moins bien dans son commerce, tu sens que tu es moins aimé. Ça peut te faire vraiment mal. C'est là qu'il faut que tu ailles rechercher une force qui t'habite. Elle est où, cette force-là? Je la sais pas. Probablement que c'est dû à la belle passion que j'ai héritée depuis le début que je te raconte.
Je peins la mémoire de ceux qui ont bâti notre pays. La mémoire de ceux qui ont bâti notre pays, c'est tu sais quoi? C'est tout. Tout. Qu'est-ce qui va bien? Qu'est-ce qui va moins bien? Leur labeur, la façon qu'ils travaillaient, leur peine d'amour, leur faillite. Et je peins, si tu t'aperçois, des gros arbres. L'arbre, elle a vu toutes sortes de naissances, elle a vu des décès, elle a tout vu. Et je peins gros des chevaux, parce que j'ai travaillé dans les chantiers et ce qu'il y avait des chevaux. Mon Dieu, dans le bout de Wendigo. Ben, c'est terrible comment est-ce qu'on a magané ces bêtes-là. Les coups de chaîne, puis en ouais, puis fallait, puis du outil, il fallait travailler, il fallait rendre le bois à la rivière Saint-Maurice. Quand elle dégelait, elle emmenait la pitoune à Trois-Rivières. Les chevaux étaient gelés, ils étaient blessés. Et c'est là, le soir, moi, je sortais après souper, j'allais lui mettre de l'absorbine, j'allais les frotter. Je volais de l'avoine, je lui donnais des bonnes poignées d'avoine dans le bouche, etc. J'ai resté marqué de ça. On arrivait au printemps, là, on descendait. C'était fini. Comprends-tu, je veux dire? C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'essaie de cajoler les chevaux avec mes pinceaux, en douceur. Les personnages en douceur. Si tu t'aperçois, si tu remarques mes tableaux, tu vas retrouver toujours de la douceur à l'intérieur de mes tableaux. Je ne suis pas un peintre agressif. J'ai peint quelques tableaux agressifs en arrière d'un joint. C'est agressif, ça. Je ne les ai pas aimés, je ne les ai pas gardés longtemps. J'ai lâché le joint, j'ai lâché le tableau. Sans faire de bruit, je partirai dans l'océan des souvenirs. Plus loin, plus haut, frappant la porte, je cueillerai le nouveau fruit. Plus loin, plus haut, frappant la porte, je cueillerai. À l'âge que je suis rendu, j'aimerais bien partir avec un pinceau dans les mains. Puis m'avoir réussi quelque chose d'extraordinaire dans ma vie.